Eh bien, shalom bien-aimé dans le Seigneur et bienvenue dans votre émission Biblia que j'ai toujours eu l'honneur et le plaisir de vous présenter. Pour vous aider dans votre marche vers la destinée, dans cette émission, nous allons parler sur les royaumes des dieux. Eh bien, chers téléspectateurs, sur ce plateau, nous avons le pasteur Martin Macabou. Il nous provient de la France. Il va nous dire il est de quelle église et bien sûr, avec lui, nous allons développer sur ce thème dans le royaume des dieux. Shalom, pasteur. Shalom, ma soeur, mes soeurs, Oui, Mireille, Mireille. voilà. Vous, bienvenue à Kinshasa d'abord. Merci beaucoup. Oui. Merci à vous de me recevoir. Ah oui, merci. Et en France, vous êtes dans quelle église? Voilà, donc je m'appelle Martin Macabou et je suis responsable du ministère Mi'kmaq, c'est-à-dire ministère chrétien de Macabou. J'exerce en tant que prédicateur et enseignant biblique. Et en même temps, je suis responsable et directeur d'une maison de production pour films et programmes chrétiens. Donc, j'ai travaillé pour l'instant en tant que producteur en médias et bien sûr prédicateur itinérant lorsque je suis invité à aller de par le monde pour faire mes conférences sur les thèmes que le Seigneur m'a donnés pour partager à l'Église. Vous avez dit Mikna, c'est le Mi'kmaq. Mikma, ministère chrétien De Macabou, Makabou, oui. des Makabou. Pourquoi ministère chrétien des Makabou? Vous voulez prendre la place de Jésus? Parce que, en fait, Dieu travaille avec les hommes. Oui. C'est un peu lorsqu'on veut corriger les extrêmes, on va dans les autres extrêmes. J'entends beaucoup de personnes qui disent, oui, il faut que Jésus, il faut. Mais Dieu se sert des hommes. Jésus a présenté Jean-Baptiste. D'accord? Il a dit, c'était un homme que Dieu avait qualifié, n'en avait même pas eu comme Jean-Baptiste avant. Dieu a utilisé Moïse. Il a dit, Moïse est mon serviteur. Donc, le serviteur de Dieu, sans orgueil, ni m'as-tu vu, doit être reconnu comme tel afin que son message ait du crédit. Sinon, on discrédite les donateurs du message. Donc on peut dire les dieux des Macabous. Le Dieu de Macabou, c'est si je suis concerné dans une situation, mais trop d'accent aussi sur le serviteur conduit à une certaine idolâtrie Oui. et c'est ce qui détruit aujourd'hui l'Église, mais l'équilibre se trouve dans la justesse, c'est-à-dire faire et reconnaître ce qui est juste, et non pas aller dans les extrêmes, se référer à soi pour recommander Dieu, ce n'est pas biblique. Et au cours de cette émission, pasteur, nous allons parler sur les royaumes des dieux. Et pour bien parler de ces thèmes, nous avons un film que nous allons proposer à nos téléspectateurs. En fait, c'est l'histoire d'un homme riche et de ses serviteurs. Eh bien, très chers téléspectateurs, avant d'entrer dans le vif de notre sujet, regardez plutôt ces films, cet extrait du film, et nous allons nous retrouver juste après pour continuer notre émission. Dans de nombreux pays du monde, il existe des histoires de trésors enfouis. Dans les pays du Moyen-Orient, elles ont été toujours populaires. Dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 13, le Seigneur Jésus raconte une histoire au sujet d'un trésor. Mais il s'agissait d'une parabole pour faire réfléchir les gens. Le royaume de cieux, dit Jésus, est semblable à un trésor caché dans un champ. Il y a plusieurs siècles, en temps de guerre, les gens avaient été faits prisonniers. Et un homme riche, qui essayait de fuir l'ennemi, enterra tout son or dans un pot, dans l'espoir de revenir plus tard. S'il se faisait tuer ou fait prisonnier, les trésors resteraient peut-être à jamais enterrés. Ou jusqu'à ce que quelqu'un de chanceux ne le trouve. Des centaines d'années passèrent, jusqu'à ce qu'un jour, un fermier étant sur le terrain découvre accidentellement le pot. Le fermier était curieux. Certes, cet objet n'était qu'un morceau de poterie brisé et jeté là, il y a plusieurs années. Ce n'était pas inhabituel, mais un pot qui n'était pas cassé et qui avait été soigneusement scellé doit contenir quelque chose d'intéressant. Ça pouvait être de l'argent, quelques pièces de monnaie en cuivre peut-être. Il allait au moins regarder et voir ce qu'il y avait au-dedans. C'était incroyable, une fortune.
C'était plus qu'il ne pouvait imaginer, plus qu'un homme comme lui pouvait gagner dans toute une vie. Mais légalement, tout cela appartenait à l'actuel propriétaire du chien. S'il prenait juste les trésors, ce serait du vol. Il n'y avait qu'une seule réponse. Il pouvait acheter les terrains de son propriétaire actuel. Alors, tout sur le terrain, y compris le trésor, lui appartiendrait légalement. Il devait obtenir de l'argent. Il devait vendre ce qu'il avait. Ce n'était qu'un petit morceau de terre. Mais il était pauvre et cela allait lui coûter littéralement tout ce qu'il possédait. Il ne pouvait pas expliquer ce qu'il faisait. On aurait dit qu'il était devenu fou. Toutes ces choses pour lesquelles il avait travaillé. Maintenant, il ne s'en souciait plus. Tout avait été vendu pour avoir du cash. Littéralement, il avait juste assez d'argent pour acheter le terrain. Et heureusement, le propriétaire était très content de le vendre. La terre était sienne, et légalement, tout aussi bien que les trésors. Il pouvait à peine y croire. Tout cela était là. Il n'était pas fou. Maintenant, les gens verront pourquoi il avait littéralement vendu tous ses biens, juste pour obtenir ces morceaux de terre. Maintenant, il pouvait acheter des centaines de champs, s'il le voulait. Il était plus riche qu'il n'aurait jamais rêvé. Ce que Jésus veut affirmer, c'est que certaines choses sont si importantes que leur valeur l'emporte sur celle de tout ce que vous avez. Il raconta une autre histoire. Le royaume des cieux, dit Jésus, est comme un marchand qui cherche de belles perles. Plus que l'or et l'argent, les perles étaient coûteuses. Seul le plus riche parmi les riches pouvait se permettre d'acheter les meilleures, les plus belles perles. Jules César avait donné à la mère de Brutus une perle valant 6 millions de sesterces. Cléopâtre possédait des perles valant 10 millions de sesterces. C'était l'équivalent de 6 000 ans de salaire pour un travailleur moyen. Les marchands qui cherchaient de belles perles pouvaient parcourir de nombreuses villes. Et il avait toujours un réseau de contacts pour trouver la meilleure. Cette fois, les marchands s'est dit qu'il avait trouvé une bonne affaire. Mais la négociation allait être difficile. Les vendeurs étaient prudents. Ils savaient que des hommes tueraient pour avoir une perle comme celle qu'il avait. Les marchands doivent faire preuve de patience et de diplomatie. Ce n'était pas difficile de trouver des bijoux, de beaux bijoux en or. Il y avait des ateliers qui produisaient les bijoux les plus élégants, des artisans qui pouvaient concevoir et couper des beaux camées. Mais pour trouver une perle vraiment magnifique, cela pouvait prendre toute une vie. C'était la bonne! Les perles roses de la mer Rouge étaient célèbres. Mais celle-ci était exceptionnelle. C'était ce qu'il avait toujours cherché. Mais combien ça pouvait coûter? Les prix étaient énormes. C'était impossible, bien au-delà de ses possibilités. Cette perle allait lui coûter tout ce qu'il avait. Les marchands tenta de négocier. Peut-être que les vendeurs allaient baisser le prix. Mais ils ne le voulaient pas et le prix n'était pas déraisonnable. Peut-être allait-il lui donner un peu de temps pour réunir l'argent et ne pas vendre la perle à quelqu'un d'autre. Les marchands rentra chez lui. Il n'avait plus qu'une chose à faire. Il devait vendre chaque objet de valeur qu'il possédait, toutes ces belles choses qu'il avait mis des années à recueillir. Chaque chose était un trésor. Mais elle devait être vendue pour avoir la perle. Rien ne devait l'arrêter maintenant. Certaines choses avaient une valeur sentimentale pour lui. Hier encore, il ne s'en serait pas séparé. Elle faisait partie de sa vie. Mais ces choses étaient comme des bibelots par rapport à la perle. Il connaissait la valeur de ces choses. Et il connaissait aussi la valeur de la perle. Il n'y avait pas de comparaison. Au-delà du fait de posséder la perle elle-même, il connaissait sa valeur. Et s'arrêter là serait de la folie. Enfin, tout avait disparu. Mais la grande perle serait sienne. Cela lui coûta beaucoup plus qu'il avait prévu. Mais la perle était plus que ce qu'il avait jamais imaginé. Et les prix n'avaient guère d'importance. C'était ce qu'il avait cherché toute sa vie. Et cela valait plus que ce qu'il avait payé.
Il était ravi. La grande perle lui appartenait. Ceci, dit Jésus, ces marchands trouvant une perle ou les fermiers trouvant un trésor, c'est comme le royaume de cieux. C'est au-delà de toute comparaison. Il vaut tout ce que vous avez et bien plus encore. Qui a payé le plus? Le fermier ou le marchand? Dans un sens, ils ont eu tous les deux le même salaire. Cela leur a tout coûté et ils étaient heureux de tout abandonner. Qu'est-ce que le royaume de cieux ou le royaume de Dieu? Cela signifie surtout que c'est le règne souverain de Dieu, maintenant et à jamais, dans cette vie et dans l'éternité. Pour quelqu'un qui suit le Seigneur Jésus-Christ, la joie pure d'être dans la volonté de Dieu et de vivre sous son règne balaie tous les obstacles, toutes les objections, même si cela doit coûter tout ce que nous avons. Le Seigneur Jésus a dit, « Que sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il devait perdre son âme ?» Merci la réalisation. Vous avez suivi le film intitulé « Les perles et les trésors ». C'est vrai, pasteur, que le film a été assez clair aujourd'hui. Et si vous pouvez un peu expliciter au peuple de Dieu, c'est quoi cette histoire dans ce film? Alors, les trésors et la perle, ce sont deux petites histoires ou deux petites paraboles dans l'évangile de Matthieu, par exemple, le chapitre 13. Vous retrouvez ces deux histoires qui se suivent. Et ces deux histoires mettent en valeur le royaume de Dieu. En fait, il les compare soit à un trésor précieux que quelqu'un a trouvé dans un champ, comme explique le film, et de l'autre côté, à des perles de grand prix. Il dit, celui qui l'a trouvé est capable de tout sacrifier pour avoir cette perle. La comparaison parle d'elle-même, c'est-à-dire que le royaume de cieux vaut tout ce que nous avons et tout ce que nous pouvons afin de l'obtenir. Pasteur, entrons directement dans les vues de notre sujet, après les films, bien sûr. Et si vous pouvez éclairer les peuples des dieux, c'est quoi le royaume des dieux? Ok, merci pour la question. Cette question est primordiale lorsqu'on aborde la foi chrétienne ou la foi biblique. Je pense que par le manque de la compréhension de ce sujet ou du thème, ou le concept biblique du royaume de cieux, des gens font un peu n'importe quoi. D'abord, le royaume de cieux est le message principal de Jésus-Christ. Là, vous êtes déjà dans la différence entre le royaume des cieux et le royaume des dieux. Non, je ferai la précision si vous voulez, mais c'était juste pour pouvoir vous replacer par rapport au royaume de cieux. C'est-à-dire que c'est un message principal du ministère de Jésus. Il est venu ici afin de prêcher le royaume, afin de nous introduire dans le royaume. En fait, tout son ministère est centré dans ce thème principal, le royaume de Dieu. Il va le prêcher, il va le vivre et il va le manifester. Mais il nous faut comprendre ce royaume de cieux. Comment faudrait-il alors comprendre ce royaume des cieux? Ok. Avant de pouvoir aborder le royaume de cieux, j'aime faire une comparaison, ça aide... Entre le royaume des cieux et le royaume des dieux. Non, la comparaison entre le royaume de cieux et le royaume de ténèbres. Mais précisons d'abord, c'est quoi le royaume de cieux et c'est quoi le royaume de Dieu. Okay. En fait, ce sont deux expressions équivalentes. Matthieu, qui est un juif et qui parle dans cette perspective juive, dans son évangile, utilise le terme « royaume de cieux » en tant que juif pour éviter surtout l'appellation du nom de Dieu. Tandis que Luc, qui aborde dans une autre perspective tout à fait universelle, parle du royaume de Dieu. Mais les deux représentent la même chose. Maintenant, je vais donner les deux nuances de ces deux expressions. Royaume de cieux, parce qu'en fait, c'est un pouvoir. Ok. Alors, la patrie de ce royaume, c'est le ciel. Les cieux, c'est-à-dire les différents cieux où Dieu réside. Tandis que le royaume de Dieu, en fait, se réfère au roi. On a un royaume comme la patrie où Dieu règne, mais un royaume a un roi. Alors, on veut mettre l'accent... Non, il n'y a qu'une seule personne qui trône. Qui trône dans ce royaume. C'est Dieu lui-même.
Tandis que quand on dit royaume de cieux, c'est-à-dire que c'est la patrie céleste, c'est-à-dire c'est l'espace où Dieu règne, mais aussi ce sont ses sujets, c'est son gouvernement, c'est sa puissance. Ça, c'est le royaume de cieux. Tandis que le royaume de Dieu met l'accent sur le roi, c'est-à-dire Jésus-Christ et Dieu le Père qui lui a donné mandat pour le représenter. Ça, c'est un peu la nuance. Mais en bref, les deux expressions équivaut à dire le royaume de Dieu ou simplement le règne de Dieu sur ses sujets. Et cette comparaison entre le royaume des dieux et le royaume des ténèbres. Maintenant, allons-y au royaume de Dieu et au royaume de ténèbres. Si Jésus est venu prêcher, annoncer le royaume de Dieu, en fait, c'est en contrepoids à un autre royaume. Si vous lisez dans les prophètes, par exemple, Ésaïe, c'est lui qui aborde beaucoup de ce thème. Par exemple, dans Ésaïe, le chapitre 60, le deuxième verset, il dit... Vous pouvez lire ? Oh, je connais le verset par cœur, donc je peux le redire. Allez-y. Il dit, « Le ténèbre couvre la terre et l'obscurité de peuple. » Voilà, ça c'est une approche biblique par rapport à l'état du monde. C'est-à-dire que nous sommes dans un monde de ténèbres. Dans Ésaïe, le chapitre 9, il est aussi parlé de ce royaume. Il dit, « Mais les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre où il y a maintenant des angoisses. Okay » Pourquoi cette précision du prophète Ésaïe? Parce qu'il veut faire prendre conscience à Israël qui sont dans un monde dominé par l'obscurité. L'expression « ténèbres » dans les Écritures, j'aime à les préciser, est une expression qui fait appel au pouvoir démoniaque, au pouvoir satanique, et non pas forcément à l'obscurité ou le noir, même si c'est une image. Lorsqu'on parle de royaume de ténèbres, ou on parle de ténèbres qui couvrent la terre, on parle de Satan qui domine et qui contrôle. D'ailleurs, on l'appelle le prince de ce monde pour marquer son emprise sur les hommes. Et aujourd'hui, cette réalité est encore beaucoup plus puissante à cause de la position que nous avons par rapport au calendrier de Dieu, à savoir la deuxième venue de Jésus-Christ et son retour. Le ténèbre règne et ce ténèbre, aujourd'hui, c'est rythme avec l'avènement d'un homme appelé l'Antéchrist, qui règne ou qui régnera avec le concours du diable. L'Antéchrist, pour dire un mot là-dessus, c'est pour ça qu'on l'appelle Antéchrist. En fait, c'est un humain, mais qui sera doté des capacités diaboliques. C'est un peu comme le fils du diable. Et il a la nature du diable. Comme Jésus était homme, et il avait la nature de Dieu. Et il vient donc en ce temps de la fin pour contrer les plans de Dieu, pour contrôler le monde. Et l'Écriture parle dans l'Apocalypse d'une période terrible par rapport au règne de l'Antéchrist. C'est pour ça que Jésus est venu avant pour annoncer le royaume de Dieu. Voilà. Si je peux maintenant revenir sur le parallèle, c'est-à-dire que Christ est venu annoncer le royaume de Dieu pour nous sortir, nous délivrer de ce contrôle, de ce pouvoir, de cette puissance et de tout ce qui l'accompagne, c'est-à-dire mort, mal, destruction, mensonge, séduction, égarement et ainsi de suite. Voilà, si je peux m'arrêter là par rapport à cette opposition entre royaume de Dieu et royaume de ténèbres. Oui, et ces royaumes, ces deux royaumes sont caractérisés par quoi? Ok. Le royaume de Dieu est caractérisé par l'avènement d'abord de Christ. Lorsque Jean-Baptiste est venu, avant que Jésus ne vienne, Dieu avait envoyé un précurseur, Jean-Baptiste, pour lui préparer le chemin. Et donc dans Matthieu 3, Jean-Baptiste prêche et dit « Repentez-vous, car le royaume de Dieu est proche. » Il est venu préparer le terrain pour le roi, pour celui qui devait venir instaurer le royaume. C'est-à-dire que le royaume n'était pas là. Lorsqu'on dit proche, c'est-à-dire qu'il n'est pas encore là. Lorsque, au chapitre 4, au verset 26, lorsque Jean disparaît par son arrestation par Hérode, Jésus va commencer par cette phrase. On dit « Dès lors, Jésus commença à prêcher et à dire « Repentez-vous, car le royaume de Dieu est là. L'heure est accomplie. » L'heure est accomplie. En fait, Jean annonce le royaume, Jésus marque le début du royaume, c'est-à-dire le message du royaume, c'est-à-dire la manifestation du royaume, et enfin, il nous introduira dans l'expérience du royaume après sa mort, sa résurrection
et la venue du Saint-Esprit, nous sommes alors à ce moment-là dans l'ère du royaume. Maintenant, laissez-moi vous expliquer qu'est-ce que c'est ce royaume, concrètement, et qu'est-ce que ce concept, on dira c'est une philosophie biblique du royaume de Dieu contre le royaume de ténèbres. Non, le royaume de Dieu n'est pas un simple concept ou une simple philosophie. Le royaume de Dieu, en fait, c'est la manifestation du règne de Dieu. Lorsque vous lisez les Écritures, surtout dans les Évangiles, le mot « royaume » peut être remplacé par « pouvoir », par « autorité », par « territoire » ou par « règne ». L'autorité des dieux, les pouvoirs des dieux. Voilà. C'est-à-dire que c'est une, appelons ça comme ça, une nation spirituelle que Dieu instaure pour un peuple spirituel. C'est pour ça que dans Colossiens, je pense qu'il nous est dit, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, un peuple acquis pour proclamer la gloire et les vertus de celui qui les a appelés. En fait, Dieu vient se faire un peuple afin de pouvoir l'introduire dans son royaume, afin de régner sur lui, afin d'exercer son autorité, son pouvoir, bien sûr ses lois, ses statuts. Mais ce peuple du royaume de Dieu sont aussi enfants de Dieu. Il dit « Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles. » C'est-à-dire qu'il vient comme roi et donc il nous donne ce privilège d'être appelé enfant de Dieu. Mais par la même occasion, il exerce sur nous son autorité, il exerce sur nous son contrôle. Il nous montre comment vivre puisque chaque royaume a une culture. Ok, si vous allez en Angleterre, la culture anglaise, par exemple, à la conduite, ils conduisent à droite. Tandis que nous autres, je pense, nous conduisons à gauche. C'est leur culture. Et ils ont des caractéristiques de ce royaume. De la même manière, le royaume de Dieu a une autre culture. Et quand Jésus vient, en fait, il vient nous enseigner les principes et la culture du royaume. Si vous avez vous regardez dans Matthieu, le chapitre 5, 6 et 7, Jésus enseigne le principe fondamental du royaume de Dieu, les sermons sur la montagne. Et ces sermons sur la montagne débutent par ce qu'on appelle les béatitudes. 8 principes fondamentaux, 8 principes capitaux que Jésus enseigne pour faire connaître le bonheur du royaume de Dieu. Voilà. Oui. Oui, pasteur, je pense que nous courons derrière les temps. Et dites-nous, comment se prépare-t-on pour entrer dans le royaume des dieux? Une question excellente. Pas n'importe qui peut être membre du royaume. Il y a des conditions, il y a des préalables. Nous aurons le temps de l'aborder parce que ça demandera d'aller dans les détails. Mais pour entrer dans le royaume de Dieu, c'est sûr qu'il faut avoir la citoyenneté de ce royaume. Et pour acquérir cette citoyenneté, comme pour devenir anglais, comme pour devenir dans le royaume belge, pour devenir belge, il y a des conditions. Alors, celui pour le royaume de Dieu est caractérisé par, on va l'appeler concept, mais on verra en détail, ce concept de la nouvelle naissance. Donc, pour être identifié. Pour être identifié, en fait, il faut avoir une nouvelle nature qui te permet d'être membre de ce royaume. Je voudrais essayer de vous donner un complément pour rendre ceci un peu plus clair. Pourquoi la nouvelle naissance pour être membre du royaume de Dieu? Parce qu'il y a une nature que nous avons avant d'entrer dans le royaume de Dieu qui est empreint d'une marque contraire au royaume de Dieu, c'est-à-dire le péché, c'est-à-dire le contrôle satanique, c'est-à-dire l'obscurité, c'est-à-dire les influences. Et chez nous, ici, on connaît ces influences par ce qu'on appelle la sorcellerie. La sorcellerie est une caractéristique du royaume de ténèbres. Les occultistes ont une caractéristique du royaume de ténèbres. Alors, Jésus veut que ceux qui appartiennent au royaume de Dieu puissent avoir aussi une nature. Et la nature de ceux qui appartiennent dans ce royaume, ça s'appelle la nouvelle naissance. C'est un état spirituel. Il faudrait naître de nouveau. Je voudrais, quand Dieu permet, qu'on ait le temps de pouvoir aborder cette question des conditions pour entrer dans le royaume de Dieu. Oui, pasteur, la Bible dit « Cherchez premièrement le royaume des cieux et tous les autres vous sera donné par-dessus. » Pour cette demande qu'on nous demande de chercher d'abord le royaume des cieux, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu ces versets? Qu'est-ce qui se cache derrière ces versets bibliques?
Ok. C'est une question importante dans la mesure où elle a été déformée et détournée par des faux prédicateurs. Il y a aujourd'hui un concept qu'on entend, ça vient des anglophones, « Kingdom Now », le royaume maintenant. Et ce concept veut que nous soyons riches aujourd'hui, veut que nous puissions avoir des possessions, que nous puissions posséder la terre et gouverner, et ainsi de suite. C'est un concept qui est complètement fausse ou faux, dans la mesure où Jésus dit « Mon royaume n'est pas d'ici-bas ». Le royaume de Dieu est un royaume spirituel, avec des valeurs spirituelles, basées sur la culture de Christ. Ça n'a rien à voir avec la richesse, ça n'a rien à voir avec les possessions de ce monde, ça n'a rien à voir avec la grandeur ou toute autre convoitise qui est un peu dans le cœur de nous tous. Qui ne veut pas être riche? Qui ne veut pas avoir les biens de ce monde? Qui ne veut pas être regardé comme grand? Les fausseurs, les séducteurs ont pris tous ces désirs qu'il y a dans le cœur de n'importe qui. Hein, ils l'ont mélangé avec l'évangile pour dire « Voilà le royaume de Dieu. Venez chez nous et vous deviendrez riches. Venez chez nous et vous allez avoir des possessions. » Ça n'a rien à voir. Cependant, la promesse dit ceci. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et toute autre chose vous sera donnée par-dessus tout. C'est-à-dire comme un supplément. Votre Père sait que vous en avez besoin. Si vous avez besoin de vêtements, il vous donnera. Si vous avez besoin de nourriture, il vous donnera. Si vous avez besoin de vivre, de santé, votre Père sait que vous en avez besoin. Mais ça n'a rien à voir avec la fausse notion de la prospérité. Et toutes ces choses viennent comme ça, là, juste après que vous ayez accepté Jésus dans votre vie, et ça vient comme ça. Lorsque vous êtes un enfant d'un Père... Il ne faut pas aller chercher, il ne faut pas aller travailler pour en avoir, il faudrait seulement accepter Christ. Et toutes ces choses-là viendront comme ça d'elles-mêmes. Ça, c'est la séduction des prédicateurs de la prospérité de Kingdom Now. Mais lorsque nous sommes fils du royaume, c'est-à-dire que nous vivons dans le royaume. Dans le royaume, nous avons une éducation à avoir. Nous avons une culture. Nous avons, par exemple, l'éducation dans le royaume, entre parenthèses, l'apôtre Paul dit que chacun travaille. Je n'encourage pas la paresse, que celui qui ne travaille pas ne mange pas non plus. Ok, donc ce n'est pas forcément parce que Dieu donne cette promesse, alors les chrétiens doivent croiser les bras, prier, jeûner, chasser le diable et lui donner des coups de poing. Ça ne marche pas comme ça. Il faudrait apprendre dans le royaume les valeurs du royaume, les mettre en pratique, c'est-à-dire être obéissant à Dieu, et Dieu honorera ses promesses et nous aurons ce que nous aurons besoin, c'est-à-dire la nourriture, c'est-à-dire les vêtements, c'est-à-dire la santé. Et lorsque les moyens naturels ne le permettent pas, Dieu fait des miracles. Et c'est ce que Jésus a fait. Il a manifesté le royaume par des événements surnaturels lorsque les hommes ou ses enfants étaient limités dans les moyens. Le royaume de Dieu va au-delà des possessions de la terre. C'est un royaume spirituel où Dieu règne véritablement. Amen. Votre mot de la fin, pasteur, par rapport à ce thème, le royaume de Dieu. Je voudrais dire et interpeller l'Église de Dieu. Jésus dit le royaume de Dieu, comme nous avons vu avec le film, il vaut tout ce que nous avons. Et il dit quelque part, il dit, que servirait-il à un homme de gagner le monde s'il perdait son âme? Il dit, la valeur de la vie d'un homme ne dépend même pas du nombre de ses biens, quand même il serait dans l'abondance. Alors, mon dernier mot, c'est d'encourager les enfants de Dieu, en tout cas ceux qui se revendiquent comme tels, de rechercher à connaître le royaume, à faire partie du royaume et à vivre dans le royaume. Et ceux qui ne le sont pas encore, je vous invite dans le royaume de Dieu, car cet espace a été préparé pour vous. Merci beaucoup, pasteur Martin. Merci à toi, ma sœur Mireille, que Dieu vous bénisse. Amen. Merci à tous les téléspectateurs qui ont suivi cette émission. Nous vous avons promis que les dimanches prochains, vous allez suivre une émission que nous allons faire avec le pasteur Martin sur la nouvelle naissance. Merci à vous tous qui avez suivi cette émission, que Dieu vous bénisse. Et si vous avez besoin d'avoir le pasteur, il ne vit pas ici, il est bien sûr, il vit en France, mais vous pouvez avoir ses coordonnées. Oui, pasteur, si vous pouvez donner vos coordonnées. Ok. Rapidement, je voudrais, ceux qui veulent me retrouver, aller sur internet, en tapant Martin Macabou, vous trouverez mon blog, vous trouverez mes pages web et le site qui est Évangile BNV pour aller un peu plus en profondeur par rapport au royaume de Dieu. Ok, merci beaucoup et que Dieu vous bénisse. Les programmes continuent sur votre chaîne de développement. Que vous preniez la Bible comme si c'était un livre que Dieu vous a envoyé. Que la Bible devienne une lettre écrite.